Non. Alors on est où là, Maïmen? Là on est à Anaheim, hein. C'est le top. Hein. Supercross US. C'est la folie. Franchement j'ai pas des mots. On est passé là. Oh, on est passé là. On est dedans là. On est là. Vas-y, ça. Bah écoute, les motos PC c'est ouf. Il était là-bas à côté là. Et là écoute, c'est cool. Genre les pilotes ils sont tous ici et tout, c'est pas comme en Europe où ils sont cachés et tout. Genre t'arrives un peu à voir ce qu'ils font entre les pauses et tout. Donc franchement c'est sympa. Hein. Le petit décès ce matin, c'était cool. Franchement ils mettent du gaz grave. Hein. Les 2,5, les 4,5 ils sont chauds patates. C'est tout. Bah, c'est... Là au moins tu vois que qui sont les bons, qui sont les moins bons, qui c'est qui bossent plus que les autres et tout. Tu vois, ceux qui ont la technique à la perfection, tu vois. Même ceux qui ont le physique, qui ont le mental et tout, tu vois, ça fait vachement la différence. Non mais c'est ouf quand même de voir ça. Ça donne envie d'y être. Il l'a dit ? Ouais. Thanks buddy. Ça va, ouais, ça va. Thanks man. Hey. Good luck. Thanks bro. Bon, la première, pas de machin. Pas de soucis. Allez à la danse. Hey yo. Yeah. Tout va bien avec toi. Hein? J'essaie. Il doit craquer. Quoi? Je sais pas, on me fait un malaise ou pas un malaise? Ouais, malaise direct, là je me suis retenu, mais là. C'est passé quoi là? Le cœur qui bat? Ouais, là j'ai le cœur qui bat à 10 000. Tu peux nous dire ce que t'as raconté un peu ici? Bah, on a parlé un peu de la piste, tu disais que la piste elle était défoncée et tout. Que du coup, ils recoupaient beaucoup les virages et qu'avec les 4,5, il y avait assez de puissance tu sais, pour faire des grosses ornières et passer les sauts en recoupant les virages. Donc voilà, après il a dit c'est être en place pour ce soir et mettre du gaz. Quoi. Bon. Sinon, c'est. Faut mettre du gaz, sinon on rentre à la maison. Jeff! Hi! Can you tell some French word for the vlog? C'est vrai, et toi? Merci beaucoup! Perfect! Je suis célibataire! Yes! I'm gonna get going, I'm so sorry! No problem!
concert en vrai et pas à la télé pour une fois. Donc franchement, je profite à fond du moment présent et... Oh, il y a Berman. Tyler Berman. Yep, yep, yep. Au père Castor, filmmaker. Alors, c'est la fin. C'est la fin, c'est le réveil du rêve américain. C'est, ça fait mal au cœur en vrai de faire les valises et tout. J'aurais été chaud à rester, hein, mais. Bon, après. Non, en vrai de vrai, je suis content, vraiment super content d'être venu. Ça s'est quand même relativement très bien passé. J'ai vécu un rêve éveillé d'être ici, d'avoir été un super cross US, d'avoir roulé aux US simplement, d'avoir pu rencontrer Dylan, d'avoir été sur la piste Star Racing et tout, c'était incroyable. Même on a été visiter l'usine Kawa, on a fait des trucs que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie limite. Je pensais que c'était juste un rêve et que j'allais jamais réussir à le faire. Donc je l'ai fait et voilà, non, franchement je suis super content. En plus les gens ont beaucoup suivi les vidéos, tout ce qu'on a fait et tout, on a eu quand même beaucoup de commentaires positifs, même si bah, y avait des personnes ça leur a pas plu, c'est comme ça, mais franchement on a eu beaucoup de retours positifs, on a bien bossé quand même, que ce soit bah, pour les vidéos, moi pour le sport, à moto, etc. Malgré qu'on ait bien bossé, on a quand même réussi à profiter dans tout ça. Et franchement c'est super cool, merci à tous d'avoir suivi, merci à Stéphane de nous avoir emmenés ici, merci à Sabrine qui a fait quand même plein de choses pour nous, tout ce qui était niveau organisation un peu, qui a fait un peu la maman pendant ces jours, et puis merci à toute l'équipe d'avoir été bah, aussi sympa pendant ces deux semaines. Et voilà, bah, du coup vu qu'on est sur les remerciements, bah, merci à Dylan de nous avoir invités, David de nous avoir accueillis, enfin tout le monde, c'était incroyable. Et voilà, merci à tout le monde qui m'a aidé, qui nous ont aidé tous à arriver ici aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu tout ça avant, je pense que j'en serais pas ici et voilà, on n'en serait pas ici. Donc franchement, c'est super sympa et... Merci à tout le monde de nous suivre aujourd'hui et voilà, merci beaucoup, c'est un plaisir.